Bonjour à toutes et à tous, ici Rigard pour le bus magique. Donc dans cette vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec ArenaNet, je vais vous présenter une des trois aventures introduites avec l'épisode 4 de la saison 5 du Monde Vivant, l'Emprise de Jormag. Il s'agit de l'aventure de l'arène du Carcajou. Le principe est relativement simple, vous débloquez l'accès à l'aventure à l'échelle de votre compte lorsque vous terminez la première instance de l'histoire de l'épisode 4. Je vous spoile rien, et l'aventure elle-même dans la vidéo, il n'y a aucun élément de spoiler. Une fois que vous avez débloqué donc cette aventure, vous la débloquez à l'échelle de votre compte, vous vous rendez à l'entrée, et le principe de l'aventure est simple. Lorsque vous démarrez l'aventure, vous êtes téléporté dans une instance privée, et vous aurez en face de vous un esprit du Carcajou légendaire, qui ressemble en tout point à une prime de Path of Fire et de la saison 4 du Monde Vivant, et il va falloir essayer de l'éliminer le plus vite possible. Donc, les timers est généreux, pour la médaille d'argent il me semble c'est 5 minutes et pour la médaille d'or c'est 2 minutes. Comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai fait en collaboration avec ArenaNet, ce qui veut dire que les personnages que j'utilise ne sont pas les miens. Il s'agit de personnages de démonstration, ils sont extrêmement mal équipés. Les armures et les bijoux sont en complètement céleste. Les runes sont des runes de divinité, et les armes sont des armes légendaires avec des cachets tout pourris, comme des cachets de givre, des cachets de sangsue, ce genre de choses. Malgré tout, même avec cet équipement tout pourri, j'ai réussi, pour chaque profession du jeu, à éliminer le Carcajou en environ 1 minute, plus ou moins 10 secondes. Il y aura des repères dans la description de la vidéo si vous voulez passer directement à une profession. Pour chaque profession, je vais essayer de vous donner quelques commentaires et conseils. Parce que bon, j'ai fait plusieurs essais avec plusieurs builds. Vous pouvez bien entendu obtenir la médaille d'or avec d'autres builds que ceux montrés sur la vidéo. Les liens des builds seront tous postés dans la description avec un code chat en jeu que vous pouvez copier et coller si vous voulez reproduire ce que j'ai fait et me battre. Sur ce, bon visionnage. Pour le nécroman, le build que j'ai utilisé, c'est juste le build de raid slash fractal standard. Avec une simple modification d'aptitude en faucheur, j'ai pris défense décimée au lieu de dévoreur d'âme. Pas grand chose à commenter. Si je devais le refaire, je pense que je mettrais un peu plus d'emphase sur utiliser mes compétences de contrôle en premier, c'est-à-dire le golem, le 4 au corps de guerre, etc., avant de lancer mon gros burst. L'idée, c'est que le Carcajou peut être brisé, et lorsqu'il est brisé, il n'est pas stun, mais toutes les instabilités, c'est-à-dire l'onde de choc givrée, les pièges et les zones de feu sont désactivées pendant quelques secondes, et pendant quelques secondes, les dommages infligés au Carcajou sont augmentés de 50%. Le faucheur est très facile et très agréable à jouer, et de façon peu surprenante, donne de très bons résultats. Ça n'a pas été la classe la plus rapide, mais c'est une classe très très rapide pour tuer le Carcajou. Avec le chronomancien, j'ai fait quelques erreurs de rotation que vous verrez dans l'extrait vidéo. Néanmoins, mon impression est que le build que j'ai utilisé, qui est une variante du chronomancien DPS qu'on utilise en raid, est extrêmement puissant. Les dommages sont énormes et de la même façon que le nécro, l'envoûteur a énormément de CC. En particulier, je vous recommande de prioriser l'usage de votre compétence de brisure, le cri de frustration, celui qui inflige des contrôles et de la lenteur. Concentrez-vous sur celui-là en premier pour briser la barre de défiance le plus vite possible du Carcajou et augmenter les dommages que vous infligez. Comme d'habitude, les builds de chronomanciens sont un petit peu délicats à jouer, mais bon, avec un peu d'entraînement, ça passe tout seul, et j'encourage les joueurs qui sont un peu curieux et qui ne sont pas osés s'essayer à l'envoûteur à vraiment donner sa chance à ce build. Pour l'élémentaliste, bien que l'élémentaliste soit une classe très fragile, le Carcajou n'inflige pas d'énormes dommages. J'avais testé deux builds, je n'étais pas sûr duquel prendre. J'ai testé un Tissor Air Frais, et ce que vous voyez aussi sur la vidéo, c'est un Cataclyst Air Frais. J'ai pris une dague plutôt qu'un sceptre, parce que le 3 de la dague est un contrôle, et le 2 donne de la fureur. Ma préférence va au Cataclyst, tout simplement parce que le 2 de l'épée en Tissor
est une compétence qui vous verrouille sur place et ça vous empêche de sauter normalement au-dessus de l'ongle de choc givré. Donc, pour une affaire de convenance, j'ai préféré me réorienter vers un cataclysme air frais. Les deux builds ont des résultats extrêmement similaires, le chrono n'est pas très différent. Voleur, une des professions que je maîtrise le moins bien, et vous allez le voir dans cette vidéo. J'ai testé plusieurs builds, ultimement je me suis rabattu sur une variante du fracasseur au bâton qu'on utilise une fois de plus en raid. J'ai aussi testé un sniper double pistolet, mais les résultats ne sont pas folichons. J'ai eu effectué des meilleurs chronomètres avec le fracasseur bâton. Mon avertissement, c'est ne spammez pas la compétence 2 comme des débiles. La compétence 2 vous verrouille sur place et vous empêche donc de sauter au-dessus de l'onde de choc. Je vous recommande vraiment, appuyez une fois sur deux, attendez que l'animation se finisse. Et si vous n'avez pas l'avertissement de l'onde de choc, vous pouvez réappuyer sur 2. Si vous voyez l'avertissement que l'onde de choc givrée arrive, ben, vous aurez largement le temps de sauter au-dessus. Autre chose, faites attention avec vos esquives, n'allez pas malencontreusement esquiver dans un piège pour déclencher votre bonus. Autrement, le build fonctionne correctement. L'ingénieur est l'autre profession que je maîtrise le moins bien dans Guild Wars 2, et une fois de plus vous allez le voir. J'ai testé plusieurs builds, un en mécatronicien avec un marteau et celui que vous voyez qui est un holographiste à l'épée, une fois de plus une variante de ce qu'on utilise en raid avec quelques modifications. Le build est passablement compliqué à jouer, il faut vraiment cliquer dans tous les sens, donc je pense qu'il y a moyen de simplifier tout ça. Mais c'est le build qui m'a donné le meilleur résultat. J'utilise un bouclier en main gauche au lieu d'un pistolet pour aider à briser la barre de défiance du carcajou et débloquer ce juteux bonus des 50% de dommages supplémentaires pendant quelques secondes. Autrement, si vous utilisez un mécatronicien, une fois de plus, insistez sur les contrôles, ça vous permettra d'améliorer vos temps. Pour le rôdeur, je ne vous le cache pas, j'ai quelques regrets. Ce que vous voyez sur la vidéo, c'est un animorphe dommage direct, une fois de plus, similaire à ce qu'on utilise en raid, qui est utilisé, mais j'aurais aimé tester un animorphe altération, avec genre Dag Torch plus Arc Court ou Dag Torch plus H Dag, pour voir ce que ça allait donner. Malheureusement, le personnage sur le client de démonstration n'était pas équipé pour me permettre de jouer un rôdeur altération. Donc si jamais vous avez fait des essais en rôdeur altération et que vous avez des bons chronos, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Ça me ferait bien plaisir de ce point de vue-là. La stratégie que j'ai utilisée en rôdeur Zerk, c'était de combiner le F2 du Moa rouge avec la posture de Moa et la force de la meute pour essayer de maximiser la quantité de pouvoir que j'ai obtenu au début du combat. Pour le gardien, je suis resté sur un grand classique de la profession, c'est-à-dire le gardien, sceptre, focus plus espadon. La grande interrogation, c'est subissez mon courroux ou la gueule du dragon. Je pense que les deux peuvent se défendre. Je n'ai pas eu le temps de tester avec la gueule du dragon, mais je soupçonne que la gueule du dragon pourrait même donner de meilleurs résultats que ce qu'on a actuellement. Je suis resté au sceptre et ignoré l'épée parce que le 3 de l'épée vous verrouille sur place et donc vous empêche de sauter au-dessus de l'onde de choc givrée. Le reste est assez classique, somme toute, juste essayer de faire la rotation plus ou moins proprement. Pas grand chose à dire de plus, bien entendu je n'ai pas pu essayer l'incendiaire altération, mais je soupçonne une fois de plus que l'incendiaire altération donne d'excellents résultats.
Concernant le guerrier, j'ai au lieu d'utiliser un build purement raid, j'ai utilisé quelque chose que j'aime bien en monde ouvert avec notamment le fusil. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi le fusil et pas par exemple un double masse ou une masse en main gauche, enfin H main droite, masse main gauche, ou tout simplement parce que le F1 du fusil est assez bourrin et vient avec un petit peu de contrôle, donc ce qui aide à casser la barre de défiance du carcajou. D'où mon usage. J'ai aussi utilisé les bannières, mais veuillez noter que si vous mettez plus de 1 minute 10, 1 minute 15 à tuer le boss, il vaut mieux faire sauter les bannières et prendre des signes à la place, parce que les bannières se dissipent au bout d'un certain temps, et donc vous perdez les bonus. Donc si vous mettez plus d'une minute 30, virez les bannières et prenez les signes. Pour conclure en beauté, le revenant. Ah, le revenant, la profession dont beaucoup oublient l'existence mais qui est secrètement une des plus bullshit en JCE. Voyez-vous, j'ai testé en héros pouvoir, c'était pas mal, mais on peut faire mieux, avec un renégat. Kala Shiro, combinaison mortelle. Du CC pulsé, des buffs qui vous procurent d'autres buffs, de la fureur qui vous donne 40% de chance de coup critique. La liste s'allonge et s'allonge. Sérieusement, ce que je vous montre là n'est pas parfait pour dessous, on pourrait encore améliorer la rotation, mais c'est de loin le meilleur timer que j'ai fait sur le carcajou. Toutes les autres professions mordent de la poussière. Sérieusement, donnez une chance à ce build. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et aura été instructive. Si vous avez des meilleurs temps, ce que je ne doute pas, n'hésitez pas à les poster. Si vous avez des suggestions de build, partagez-les en commentaire. Je vous souhaite bon jeu et puis je vous dis à plus dans le bus.